Yo tout le monde, c'est Fifi, j'espère que vous allez bien, que je vous retrouve sur GTA 5 Online du coup. Nouvelle vidéo glitch de tenue, du coup ça vous permettra d'avoir le Joker gris. Tout simplement, je veux dire, beige ou gris, appelez ça comme vous voulez. Du coup, pour ça, vous devez vous inscrire en tant que sécuritaire, voilà. Ensuite, vous allez pareil dans le menu, masquer icône, activité, vous faites personnaliser et vous faites afficher surtout les activités pour avoir la course qui est juste là. Devant cette suburban, du coup ça va être c'est la même manipulation que la tenue que le glitch pour avoir le jogger noir. Du coup d'ailleurs je mettrai le lien dans la description si vous n'avez pas vu la vidéo. Du coup pour ça et eh ben vous allez dans ce qui resserre, gérer l'organisation style et vous choisissez la tenue seigneur de guerre, voilà, avec le jogger beige. Ensuite une fois ça vous allez dans l'activité. Je vous conseille aussi une intercession privée comme ça vous avez plus de chances de spawner tout seul dans l'activité. On attend le chargement. C'est un peu long. Si c'est un peu long, c'est que vous êtes avec des gens. Moi, ça m'a fait ça tout à l'heure. Ah non, c'est bon. Ok, là, vous pouvez enlever la radio. Moi, je vais l'enlever pour la vidéo parce que c'est super chiant. Ensuite, vous faites jouer en solo. Et dès que vous spawnez, vous attendez 10 secondes, pareil. Ou alors, voilà, 10 secondes ou plus. Ça dépend. J'ai pas testé la technique que vous quittez direct, mais je pourrais la tester plus tard. Voir si ça fonctionne, mais je pense que oui, ça fonctionnerait aussi. Mais pour être sûr que ça marche, on attend bien 10 secondes. Voilà, voilà. Ça devrait être bon. Bon, je vais m'apprêter à quitter. Voilà, c'est bon, je pense. On a 10 secondes. Ouais, c'est bon. Hop, on quitte direct. Ensuite, vous spawnez dans les airs. Vous allez direct respawn au sol. Et dès que vous spawnez, vous courez direct dans le magasin de vêtements. Là, vous courez direct, vous spammez votre touche. Et vous faites flèche de droite et vous défilez les vêtements en maintenant flèche du bas. Jusqu'à temps que ça vous enlève le menu. Généralement, ça vous enlève le menu pendant. Voilà, maintenant. Presque quand vous êtes à la troisième fois que vous défilez les tenues. Du coup, les 53. Ensuite, une fois ça, vous allez à la caissière. Vous faites pas être tactile, c'est qui resserre. Vous allez dans démissionner. Et là, il va falloir aller quand même assez vite. Vous faites démissionner, vous faites direct flèche de droite. Voilà, comme ça. Et vous sauvegardez la tenue, pour ma part j'avais déjà sauvegardé mais je vais la re-sauvegarder. Voilà. Et puis du coup, bah, je l'ai. Voilà. Comme ça. C'est bon. Et puis ensuite vous pouvez bien sûr changer les accessoires au-dessus comme voilà le gilet, vous pouvez mettre ça, ça, peu importe. Mais voilà, après les chaussures aussi on peut. D'ailleurs je vais vous montrer une technique aussi pour avoir le... Si je me trompe pas, Ah non, ça a été patch, oui. Ça a été patch, je crois. Attendez, je vais quand même essayer. Mais il me semble que ça a été patch. Ouais, si, voilà. Vous avez... Ah, on voit mal. Attendez, on va aller dans basket, peut-être. Voilà, là, vous avez les pieds invisibles un peu. Du coup, voilà, je vais le mettre. Je vais toujours faire stylé. Voilà, vous avez légèrement les pieds invisibles. Mais vraiment légèrement. Mais ça peut toujours être sympa, c'est les chevilles, voilà. Puis ensuite, vous re-sauvegardez la tenue. Voilà, bon, c'est tout pour cette vidéo, puis moi je vous dis à la prochaine, et ciao ciao!